Merci beaucoup. Alors, lors du module 1, nous avons fait un tour pour voir un peu quelles sont les différentes étapes de cycle de vie d'un projet minier. Module 2, nous avons analysé les impacts des activités extractives sur l'environnement, sur la vie sociale et sur l'économie. Et dans le module 3, nous allons nous attarder sur les liens, les investissements et la diversification qui découlent des projets extractifs. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous essayons de comprendre quelles sont les opportunités que nous pouvons convertir en actifs dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles. Autrement dit, quelles sont les opportunités, que ce soit économiques ou financières, qui peuvent découler de l'exploitation des ressources extractives. Et dans ce même module, nous analyserons quels sont les défis auxquels généralement les pays ou les États qui accueillent les projets miniers font face et enfin quelles stratégies on pourrait développer pour que les États puissent tirer davantage de profit de l'exploitation des ressources naturelles au-delà des mécanismes fiscaux qui existaient, par lesquels l'État, bien sûr, tire déjà des profits. Alors, c'est ce qui fait que nous allons parler un peu des opportunités et des exigences qui sont assujetties à chaque niveau. Et dans une deuxième partie, on va analyser un peu les défis et les lacunes des pays riches en ressources naturelles en termes de mécanismes qui leur permettraient de bénéficier davantage de revenus et analyser un peu les stratégies possibles. Et parmi ces stratégies, le contenu local est identifié comme étant une approche clé ou une approche la plus efficace pour le moment. Alors maintenant, il faudrait rappeler que d'abord, les minerais, bien les projets miniers, ont une durée de vie limitée. Et que les ressources qui sont exploitées ne sont pas du tout renouvelables. Donc, ce sont des ressources épuisables et non renouvelables. Donc, d'où la nécessité de voir pour ces ressources qui s'épuisent pour une durée donnée, comment elles devraient pouvoir tirer d'autres secteurs de l'économie en relation avec elles-mêmes pour pouvoir au moins continuer le cycle économique et l'industrialisation et la diversification constituent pour le moment les deux approches les plus prisées. Ensuite, il faut noter que les investisseurs, ce qui les intéresse le plus, c'est l'extraction du produit final et de sorte qu'ils puissent faire des bénéfices. Et comme tout entrepreneur d'ailleurs, en tout cas économique, la finalité pour lui, c'est les bénéfices. Alors, de l'autre côté, les États qui accueillent, les pays qui accueillent les projets miniers, ce qui importe pour eux, c'est aussi de tirer profit de la présence de ces compagnies-là, de sorte qu'ils puissent alimenter d'autres secteurs économiques. Ça, c'est fondamental. Sinon, le secteur à lui seul ne peut pas porter une économie. Et aucun secteur, d'ailleurs, à lui seul ne peut porter une économie s'il n'est pas mis en lien avec d'autres secteurs. Donc, dans la figure présente, vous verrez un peu comment on a réparti en moyenne les dépenses des projets extractifs. Vous verrez que pour le secteur minier qui est à gauche, c'est à peu près 15 à 20 % qui va au gouvernement des revenus, 1 % pour les investissements sociaux, ce qui est assez marginal. En termes d'emploi, d'infrastructure et d'approvisionnement local, c'est au moins 50 jusqu'à 65 % que les pays peuvent tirer des projets miniers. Et au moins les 20, les 15 à 20 %
c'est quelque chose qui retourne comme profit à l'investisseur. Ça, c'est dans le secteur minier. Si vous allez dans le secteur pétrolier et gazier, il y a une légère différence. C'est que le gouvernement peut tirer beaucoup plus de profit en 30 et 40%. Les investissements sociaux restent toujours marginaux, ce qui fait que les populations locales gagnent très peu. Mais en termes d'emploi, d'infrastructure et d'approvisionnement local, on peut aller jusqu'à 40 et 50%. Alors que les retombées pour l'investisseur, c'est-à-dire pour la compagnie, peuvent légèrement augmenter entre 20 et 30% si on compare avec le secteur minier. Alors, ce qu'il faut tirer de cela, c'est quoi? C'est que, vous voyez les points qui sont en vert, et à ce niveau-là, il y a beaucoup plus de possibilités de liens d'investissement et de ce qu'on appelle diversification. C'est à ce niveau, sur les points verts, que cela apparaît. Donc, naturellement, si un pays donné veut tirer davantage de profits, c'est-à-dire additionner ce qui est en gris pour ses revenus, je crois qu'il faut beaucoup miser sur la diversification, sur les investissements, et sur un peu ce que nous appelons littéralement contenu local. Mais on verra en détail ce que nous considérons étant un contenu local. Alors, on va voir la chaîne des bénéfices en fonction des différentes étapes de la mine. Parce que, vous vous souvenez, au module 1, on avait analysé les différentes étapes d'un projet minier, de l'exploration jusqu'à la fin. Mais au niveau de l'exploration, il y a déjà des biens, d'équipements, de forage, des études qu'il faut faire, des analyses et tout ça. Donc déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à tirer à ce niveau-là. Au moment de l'exploitation, c'est la même chose. Il y a le transport, il y a les équipements, tout ce qui est matériel de construction. Ça aussi, un État qui accueille un projet minier peut tirer profit à ce niveau-là. Et idem pour les autres étapes. Donc, c'est une panoplie d'opportunités qui se présentent pour un État qui est bien sûr bien préparé à pouvoir tirer profit du secteur extractif. Mais ce n'est pas l'État lui-même, c'est beaucoup plutôt les autres entités, le secteur privé national. Donc, vous verrez que dans d'autres pays, l'État central essaie de booster le privé national de sorte qu'il puisse capter toutes ces opportunités-là. Donc, c'est pourquoi vous entendez beaucoup plus parler de l'État qui veut tirer profit. Donc, quand je dis État ici, je pense au secteur privé, notamment parce que c'est un secteur qui va fournir des intrants et tout ce qui est biens et services pour l'exploitation d'un projet minier. Alors, quelles sont les opportunités de façon détaillée qui existent? Alors, sur toute la chaîne de valeur minérale, il y a naturellement des opportunités à chaque étape, mais aussi il y a des contraintes, bien sûr. Donc, et pour ces contraintes-là, il y a des actions qui sont requises pour pouvoir en tirer profit. Donc, voyez ici les types de liens qui existent dans les industries des minerais et les relations entre les entreprises. D'abord, l'emploi, toujours l'emploi. À tous les niveaux, l'emploi existe. Même si, par-ci, par-là, vous verrez que l'emploi peut baisser ou augmenter en fonction de l'étape dans laquelle on se trouve. Donc, ce qui fait qu'en aval, au début, il y a un peu, et si bien en aval qu'en amont, il y a une forte demande en termes d'emploi. Maintenant, pour ces emplois locaux, naturellement, pour en tirer profit, il faut que l'expertise soit disponible. Donc, c'est à ce niveau, par exemple, que les États jouent un rôle fondamental. À l'étape 2, où il y a la construction de l'infrastructure, si aussi il y a des entreprises nationales privées qui peuvent fournir tous les services et les biens, mais c'est plus bénéfique pour l'État aussi. Autrement, la compagnie est tenue d'aller faire appel à une expertise externe. Donc, il y a une multitude de services en termes d'infrastructure, recherche et développement, compétences, des services financiers, communication,
tous ces services-là, ce qui tourne autour de l'appui pour le fonctionnement de la mine, c'est des services qu'on peut retrouver au niveau national de sorte que l'économie soit diversifiée à ce niveau-là. Alors, il y a deux voies de développement qui existent fondamentalement, en tout cas qui ont été identifiées. C'est d'abord l'utilisation locale des matières premières. Certains pays optent pour la transformation de ces matières premières au niveau local. Donc, ce qui fait qu'ils investissent beaucoup dans l'industrialisation du pays, de sorte que s'il y a l'exploitation de l'or ou d'autres formes de minerais, ou du pétrole ou du gaz, on le transforme d'abord au niveau local au lieu d'exporter le produit brut. Ça, c'est une des options. L'autre option qui existe, c'est de développer des opportunités en liaison en termes de clusters d'intrants. C'est-à-dire, au lieu d'exiger ou de mettre l'industrialisation disponible, c'est plutôt de voir dans chaque étape de la mine, qu'est-ce que moi, mon secteur privé, peut tirer comme profit. Ça peut être l'emploi, ça peut être les services en termes de services intellectuels, etc. Et donc, si toute cette expertise-là est disponible au niveau national, naturellement, la compagnie préférera utiliser celle-ci plutôt que d'aller importer une autre expertise ou des biens avec des délais et peut-être des coûts qui seront beaucoup plus exorbitants. Donc, ce qui fait que chaque pays a besoin d'une stratégie claire, cohérente, pour pouvoir saisir et maximiser les opportunités à toutes les étapes de l'exploitation. C'est la seule façon qu'aujourd'hui, nos États peuvent tirer davantage de profit parce que un État, en tout cas nos États africains, n'ont pas les moyens de pouvoir exploiter eux-mêmes les gisements pétroliers, gaziers et miniers parce que cela requiert d'abord beaucoup de risques, mais des moyens énormes. Parfois, le capital requis pour exploiter une mine peut dépasser de loin le budget annuel de tout un État. Donc, ce qui fait que naturellement, les États ne s'aventurent pas souvent dans des projets aussi colossaux. Alors, une stratégie cohérente pour saisir et maximiser les opportunités. En faisant quoi? Soit industrialisation pour transformer les matières premières ou bien développer le secteur privé national de sorte qu'il puisse tirer profit. Et quand je dis secteur privé national, c'est à la fois les ressources humaines, les services et biens qu'on pourrait fournir au niveau national. Pour cela, il faut considérer d'abord une chaîne d'approvisionnement stable, fonctionnelle et efficace. Et aussi voir qu'est-ce que le privé national peut offrir. S'il y a des déficits, effectivement, essayer de les corriger. Mais on verra la question des déficits ou bien des manquements tout à l'heure. Alors, la matière première pour la création de valeur en aval. C'est-à-dire que si vous exportez les produits bruts ou les matières premières non transformées, naturellement, vous transférez la valeur ajoutée vers d'autres pays. C'est le pays qui va accueillir ou qui dispose de cette industrie de transformation qui va tirer profit de la valeur ajoutée. Parce que c'est là-bas que ça va créer des emplois, c'est là-bas que ça va créer d'autres liens économiques. Et malheureusement, pour la plupart de nos pays en Afrique de l'Ouest, c'est le cas aujourd'hui. Rares les pays africains qui disposent, par exemple, des usines de raffinage de leur or ou de leur diamant ou de toutes les autres pierres précieuses. Et de la même sorte, vous verrez très peu de raffineries qui aujourd'hui travaillent sur le secteur pétrolier et gazier. En tout cas, c'est quelques exceptions dans la région. Sur les 15 pays, vous ne verrez pas plus de trois qui disposent de cette industrie-là. Donc, on déplace toute la valeur ajoutée de l'exploitation vers d'autres pays. Ça, c'est la réalité dans notre région. Alors que les populations, les communautés, finalement, qui devraient pouvoir tirer profit de ces emplois-là, malheureusement, vont se retrouver avec des emplois marginaux qui ne leur permettent pas effectivement de subvenir suffisamment à leurs besoins. Donc, il faut que nos États puissent identifier des niches de marché de sorte qu'ils puissent booster le secteur privé national afin que ce secteur privé puisse tirer davantage de profits.